les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mani, votre consultante business. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, déjà, je vais vous inviter à vous abonner. Si vous aimez tout ce qui est économie numérique et tout ce qui vous permet de gagner de l'argent sur Internet, alors vous êtes sur la bonne chaîne. Alors n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. La dernière vidéo, je vous ai présenté un nouvel exchange que beaucoup ne connaissaient pas. Et avant de vous montrer comment vous inscrire sur cette plateforme et même vous dire à la fin de cette vidéo pourquoi vous devez vous inscrire sur cette plateforme, dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de Binance. Alors, est-ce que Binance est un scam? Est-ce que Binance est le scam du siècle? Est-ce que Binance est la plateforme qui va venir donner les AVC à toute la République? On ne sait pas encore, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir ample réponse. Ok les amis, plusieurs personnes se plaignent de leur compte bloqué sur la plateforme Binance et d'autres se plaignent de ce que leurs fonds ont été gelés, des fonds non remboursés, du support de Binance qui ne répond pas aux requêtes des utilisateurs. Et encore aujourd'hui, j'ai été en contact avec une partenaire qui, n'est-ce pas, a 13 000 $ bloqués par Binance où Binance ne veut pas restituer son argent dans le compte bancaire pour de la crypto qu'ils n'ont pas livrée. Alors, il y a lieu de se poser des questions, les amis. Est-ce que Binance est encore fiable? Est-ce que Binance est encore digne? Aujourd'hui, on reçoit des mails, oh, Binance vient en Afrique, Binance vient au Cameroun, Binance vient à Bangui, Binance est en train de venir conquérir l'Afrique. Parce qu'on sait très bien que l'Afrique, ne connaissant pas encore la crypto-monnaie, alors c'est un terrain neutre où plusieurs personnes peuvent venir et se faire de l'argent dans nos dos. Donc les amis, vraiment, dans cette vidéo, je vais encore tirer notre attention. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as eu le même problème avec ton compte Binance. Mais si tu as eu le même problème avec ton compte Binance, je vais tout simplement te demander de cliquer sur le lien en description de la vidéo pour, n'est-ce pas, rejoindre tous ceux-là qui sont en train de faire des plaintes contre Binance. Donc, les amis, je sais que nous, beaucoup de nouveaux dans le milieu de la crypto-monnaie se sont d'abord accrochés sur Binance pour créer leur compte, ce qui n'est pas mal parce que l'avantage, c'est que plusieurs plateformes ont le même processus, comme je vous l'ai dit, comme MX Global que je vous ai présenté, et je vais vous montrer comment créer votre compte. Donc aujourd'hui, vraiment, il y a lieu de tirer une sonnette d'alarme sur Binance. On ne connaît pas les intentions qui sont derrière Binance qui est en train de venir massivement en Afrique pour vous dire créer des comptes et des gens qui mettent beaucoup d'argent, qui ont de leur crypto dans Binance. Aujourd'hui encore, on comprend la défaillance des systèmes centralisés. Les systèmes centralisés ont leurs inconvénients et leurs avantages. Mais le principal inconvénient des SEX, c'est-à-dire les centralized exchangers, c'est qu'ils détiennent votre clé privée, donc ils ont la possibilité de bloquer vos fonds. Ils ont la possibilité de se volatiliser avec vos fonds du jour au lendemain. Donc, il y a un réel problème. Maintenant, les DEX, qui sont les Decentralized Exchange, sont là pour vous donner, à vous-même d'être maître de vos fonds. Maintenant, le seul inconvénient, c'est que pour beaucoup de novices, j'ai vu beaucoup de gens perdre leur argent sur les DEX parce qu'ils non seulement ils ne savent pas vraiment les utiliser, mais aussi ils ne sont pas conscients de ce qu'eux-mêmes ils sont les garants de leur clé secrète. C'est eux-mêmes qui gardent leur fonds et s'ils perdent leur 12 mots mnémotiques, voilà, ils ont perdu leur argent. J'ai vu beaucoup de personnes perdre leur argent parce qu'ils ont formaté les téléphones. Ils ont oublié qu'ils ont gardé leur code, leurs 12 mots secrets dans le téléphone et tout, et tout, et tout. C'est beaucoup de choses et donc beaucoup de précautions aussi à prendre. Donc la question qui va se poser, vers quoi vraiment va se tourner, je vous dirai encore, c'est vrai, il est encore mieux de mettre son argent sur un index. Pourquoi? Parce que au moins là, vous pouvez ouvrir votre portefeuille, mais il faut savoir
sécuriser ses informations et les sauvegarder. Aujourd'hui, Binance, qui a fait le buzz et dont beaucoup se disent que c'était la seule plateforme qui existe pour pouvoir holder, vraiment, si tu m'écoutes aujourd'hui, moi, je vais déjà te dire, quand ça commence comme ça, commence à enlever ton argent. Va mettre ça dans MXC Global ou mets ça dans ton Dex ou Trust Wallet ou MetaMask, je ne sais pas c'est quoi ton portefeuille, mais enlève-le dans Binance. Donc, dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer comment créer votre compte sur MXC Global, comment transférer vos fonds de votre compte Binance vers votre compte MXC Global. On le fera tous ensemble parce que moi-même, je vais enlever mes agents qui sont dans mes différents comptes Binance pour les mettre dans mes autres comptes où c'est plus fiable. Et pourquoi je parle encore de MXC Global? Parce que de la plupart des plateformes centralisées que je connaisse, je dis encore que c'est la seule que je connaisse aussi aujourd'hui. Bon, c'est pas la seule qui n'a jamais été attaquée, mais c'est la seule pour moi qui n'a pas connu d'attaque et qui est assez robuste en termes de sécurité. Et je pense pas qu'ils puissent blaguer avec notre argent comme Binance est en train de le faire, parce que façon dont Binance arrive en Afrique, là, vraiment, faisons gaffe, parce qu'il y a beaucoup de scams. Vous imaginez, vous les écrivez, ils ne vous répondent pas. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui se plaignent de ce qu'ils écrivent, même au support. Ils ont des comptes à 100 000 $, 500 000 $ qui sont bloqués parce que Binance a décidé juste de bloquer leur compte sans raison. Pour après, pour quelqu'un qui est au Cameroun, vous imaginez, on vous dit que le gouvernement américain doit faire quoi pour autoriser, on ne sait pas quoi. Binance, ça craint. Vraiment, moi, je suis navrée de le dire aujourd'hui. Je suis navrée même de connaître cela aujourd'hui. Mais il est de mon devoir de vous partager cette information et de vous dire halt, Binance, alerte, scam. On ne sait pas, comme j'adore ça, hashtag Binance Scam. Alors, faites attention, retirez vos fonds de Binance, que ce soit Binance US, Binance.com. Commencez à retirer vos fonds, gardez-les sur d'autres échangeurs à qui vous faites confiance. Moi, je vais les mettre sur MXC Global. Si vous voulez faire comme moi, vous trouvez le lien de MXC Global en description de la vidéo pour pouvoir créer votre compte et je vais vous montrer comment faire les configurations et comment enlever nos fonds sur Binance, parce que pour moi, à partir d'aujourd'hui, Binance est sans confiance. Donc, j'espère que tu vas regarder cette vidéo et que tu vas la partager le maximum possible et que tous ceux-là qui ont été victimes, de l'arnaque de Binance, je dis encore, je vais mettre les liens du groupe où vous pourrez, le lien que vous allez cliquer sur ce lien pour pouvoir faire des requêtes contre Binance. Voilà, pour tous ceux-là qui sont aux États-Unis, parce qu'apparemment, c'est un problème récurrent aussi aux États-Unis. Pour tous ceux-là qui ont ce problème aux États-Unis, vraiment, suivez la même procédure. Peut-être je prendrai le temps de faire une autre vidéo et même, je crois, Elvis Conjo sera en direct ce soir pour ce problème de Binance. Donc, soyez connectés, partagez cette vidéo-là pour alerter les gens sur le gros scam à venir qu'est Binance. Vraiment, je le dis avec beaucoup de désolation, mais vaut mieux tard que jamais. Tant que ton argent est encore dans ton compte, il vaudrait mieux le retirer et l'envoyer dans MXC Global. Alors, j'espère que tu as aimé la vidéo. Je tiens encore à te dire, Olga Ambani n'est pas conseillère en investissement. Tout ce que je fais, c'est de vous donner des informations à titre de formation. Donc, vous avez là, je vous recommande beaucoup d'aller faire vos propres recherches. Et dans toute chose, on ne met pas tous les œufs dans un même panier. C'est ça que je vous dis tout le temps. Moi, aujourd'hui, j'ai, je ne sais pas, X portefeuille. Donc, si aujourd'hui un se perd, au moins, je sais que j'ai mis dans l'autre. Essayez de diversifier votre portefeuille. Et donc, dans la prochaine vidéo, on va créer notre compte MXC Global. Créons nos comptes et transférons nos fonds à l'intérieur. On va se dire à très bientôt. N'oubliez surtout pas de me laisser un commentaire, de liker et de partager. Ciao, ciao!